La situation sur place, elle continue d'être à peu près la même que ces deux derniers jours où nous nous sommes rendus à l'intérieur de la ville de Bakhmout avec l'équipe et donc avec Maïssa Awad, ma collègue. Et ce qu'on a pu constater sur place, si vous voulez, c'est que la situation est très très dure pour la population, qu'on assiste à un duel d'artillerie entre les forces ukrainiennes et les forces russes. Les forces ukrainiennes qui sont stationnées en défense dans la partie est de la ville, à l'est de la rivière Bakhmoutka, où les combats font rage. Et ce qu'on entend ici, eh bien, c'est que les Russes ont pu avancer de quelques centaines de mètres, très peu hein, évidemment, en direction des abords de la ville. Et hier matin, nous étions sur place et nous avons pu nous rendre compte par nous-mêmes hein, d'abord de ce son incroyable, ce bruit de guerre qui est permanent. Et alors que nous rentrions dans la ville, eh bien, nous avons vu un bâtiment éventré en feu. On nous a expliqué quelques minutes plus tard eh bien, qu'un obus venait de s'abattre. Donc il n'y a réellement pas de zone, on va dire, sûre à l'intérieur de la ville de Bakhmout. Et le niveau de violence est très important. Il faut savoir que sur les 70 000 habitants, un peu plus de 70 000 avant la guerre, il n'en reste plus qu'entre 2 et 5 000 selon les sources. Et nous-mêmes avons pu assister à des évacuations. Un jeune couple qui nous disait que, eh bien, ils n'avaient plus rien à perdre en ville, hein, que leurs appartements respectifs, ils ne vivaient pas ensemble, avaient été détruits, dont un la veille, et qu'ils en étaient rendus à devoir quitter cette ville où la situation est de plus en plus intenable pour la population. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de cette conférence pour l'Ukraine qui a lieu à Paris aujourd'hui et demain. Alors il ne s'agit pas de fournir des armes, mais d'aider les civils ukrainiens à passer l'hiver et à engager la reconstruction. Oui, Paris, capitale ukrainienne d'un jour avec cette conférence pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. Il y a deux conférences pour le prix d'une. Ce matin, 50 chefs d'État et de gouvernement annoncés. En fait, ils seront comme Zelensky en visioconférence. Kiev a envoyé son premier ministre. Il a dîné hier soir à Matignon, il prend le café ce matin à l'Elysée, il a emmené avec lui la moitié de son gouvernement qui vient faire les courses de Noël. Il y a le shopping privé, puis il y a la conférence elle-même, une sorte de téléthon comme la France adore en organiser. Elle l'a fait pour l'autorité palestinienne, le Kosovo, le Liban, le Sahel, etc. Ça, c'est le programme de la matinée, du concret, du court terme. Il faut aider les Ukrainiens à supporter la guerre. Ils ont besoin d'énergie, c'est-à-dire de générateurs et aussi de gaz. 2 milliards de mètres cubes de gaz. Ils ont besoin de matériel médical, d'eau, de moyens de transport, de matériel agricole, etc. En résumé, il faut rassembler une montagne de pièces détachées avec une plateforme internet pour répondre en urgence aux demandes. C'est le Téléthon plus Amazon plus SOS Dépannage. Et puis cet après-midi, c'est une autre conférence qui va parler de l'après-guerre cette fois. Oui, pendant le chantier de démolition, dont personne ne sait combien de temps il va durer, il faut préparer la reconstruction. 500 entreprises françaises de toute taille ont donc rendez-vous à Bercy avec les représentants ukrainiens. L'État met sur la table 1,2 milliard d'euros de crédit export pour ceux qui oseront se lancer dans l'aventure. Le symbole, c'est que la France investit dans l'avenir de l'Ukraine, elle y croit. On comprend qu'il faille le démontrer, Paris étant toujours soupçonné de macroner, c'est-à-dire d'avoir un double langage, de ménager Moscou. On se demande quand même si les entreprises françaises savent où elles mettront les pieds. Il y a 57 pays, si on part de Lisbonne et qu'on va jusqu'à Vladivostok. L'an dernier, avant-guerre donc, l'Ukraine faisait partie des 4 plus pauvres. Alors que son sous-sol déborde de toutes sortes de minerais précieux et alors que ses plaines sont le grenier céréalier du continent. Il y a une explication à ce paradoxe d'un pays pauvre potentiellement très riche. C'est la corruption dans ça.
En Ukraine, une minorité se goinfre, la majorité rampe. Abus de pouvoir, trafic d'influence, prostitution, mère porteuse, etc. Volodymyr Zelensky s'est fait élire en champion de la lutte contre la corruption. Les Panama Papers ont ensuite révélé qu'il était de mèche avec les oligarques dans des montages véreux et des comptes offshore. Les responsables européens savent très bien tout cela. Mais lors des télétons précédents, à Lugano en juillet, à Berlin cet été, on a préféré ne pas regarder en face cette réalité sordide pour ne pas faire le jeu de Vladimir Poutine. Hier, Ursula von der Leyen a estimé le coût de la reconstruction à 600 milliards de dollars et elle a proposé d'en prendre la moitié dans les avoirs russes bloqués dans les banques occidentales. C'est tout à fait révolutionnaire. Alors, pourquoi ne pas aller un peu plus loin et confisquer aussi, par exemple, les gros 4x4 et les Ferrari à plaques minéralogiques ukrainiennes qui bouchonnent devant les palaces de la Côte d'Azur? L'Europe ne peut pas se contenter de faire la quête pour l'Ukraine comme elle l'a fait au Liban pendant 30 ans, saignant aux quatre veines et en vain les petits contribuables d'ici pour enrichir les gros corrompus là-bas. Signature à la sulfateuse ce matin, Vincent Hervouet-Mer. Combien coûtera la reconstruction de l'Ukraine? La France organise une conférence internationale aujourd'hui et demain à Paris. Les dirigeants ou ministres de 47 pays seront présents, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le FMI, la Banque mondiale. On en parle avec Frédéric Ancel. Bonjour. Les dommages actuels, Frédéric Ancel, après 9 mois de combat, est-ce qu'on sait à combien se chiffrent les destructions? Alors c'est extrêmement difficile à chiffrer. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est déjà un pays dont les infrastructures sont vétustes, parfois sont rares dans certaines régions, mais on peut chiffrer vraisemblablement à plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui équivalent à des euros. Hein. Mais ça, c'est vraiment pour du court terme. Oui. Et si réellement on ne prend pas en compte l'intégralité des dépenses indirectes, hein, qu'il faudrait faire pour remettre le pays à flot. Alors il y a un chiffre qui tourne beaucoup, c'est 350 milliards qu'il faudrait mettre sur la table pour reconstruire l'Ukraine, à comparer au PIB de l'Ukraine avant-guerre. Hein, 200 milliards, c'est quand même stupéfiant. Est-ce que la référence au plan Marshall qu'on entend beaucoup, Frédéric Ancel, est-ce qu'elle vous paraît pertinente? Alors, oui et non. Parce que pour le plan Marshall, en réalité, le plan Marshall a consisté pour les Américains, d'une part, à tenter d'éviter que des États basculent dans le communisme, hein, et du fait d'une vraie pauvreté, hein, qui existait juste après la guerre, et d'autre part, pour les États-Unis, il s'agissait de pouvoir remettre à flot une économie qui ensuite leur permettrait à eux, Américains, de s'enrichir aussi. Autrement dit, il s'agissait finalement de remettre sur les rails un vrai processus de commerce mutuel entre les Européens et les Américains. Il y a récemment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Olaf Scholz, le chancelier allemand, disaient dans une tribune conjointe, ce qui va se décider pour la reconstruction est très important puisque ça va déterminer le type de pays que sera l'Ukraine à l'avenir. Mais comment ça va se passer très concrètement cette reconstruction? Parce que là, quelque part, ça a l'air gentil, une gentille collecte de fonds. En fait, il va y avoir derrière une guerre impitoyable d'influence entre les grandes puissances. On l'avait vu au moment de reconstruire l'Irak notamment. Hein. Alors non seulement une guerre d'influence, vous avez raison, et là évidemment le problème pour des pays entre guillemets secondaires, c'est que bien évidemment les États-Unis d'une part, le Japon d'autre part, pourquoi pas l'Allemagne bien évidemment en Europe, pèseront davantage. Et on sait que lorsqu'on pèse davantage dans une reconstruction, dans un premier temps, dans un second temps, c'est davantage de contrats. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est celui qui concerne surtout l'efficacité de ce plan, on peut l'appeler néo-Marshall si vous voulez, à savoir est-ce que cet argent va aller réellement aux infrastructures, réellement à la population, à l'ensemble de la population, Frédéric Ancel, vous craignez la corruption, du détournement massif de cette aide? Ah ben non seulement je le crains, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui fait craindre à l'ensemble des donateurs et des créanciers de l'Ukraine. Vous savez, c'est un pays qui est sorti du communisme et du giron soviétique il n'y a que quelques années, hein, sans remonter à 1991. Donc je dirais que là, on a affaire à un défi extrêmement important, c'est vrai, la corruption sur place, et puis le sens de l'intérêt collectif. Est-ce que oui ou non, effectivement, on aura la démonstration que l'ensemble de la population et l'ensemble des régions et l'ensemble des secteurs bénéficieront de cette aide massive.
plutôt celui qui me préoccupe, c'est que cette crise a une dimension de sécurité internationale qui est gigantesque, puisque ce que tu as décrit sur Kaliningrad, c'est le fait qu'effectivement existe un morceau de la nation russe, mais dans lesquels sont des missiles nucléaires, et que nous, à l'inverse, on a installé dans les États baltes des missiles nucléaires. C'est-à-dire que tout ce qu'avait été la guerre froide, c'est-à-dire ces États tampons, auxquels il était difficile de refuser l'adhésion à l'OTAN, puisqu'ils avaient subi 30-40 ans d'occupation, leur douce souci premier, c'était évidemment d'entrer dans le marché, dans l'Union européenne, mais aussi et surtout d'adhérer à l'OTAN. Donc, je suis d'accord qu'en dépit d'engagement, moi j'ai discuté avec un ancien secrétaire général du Quai, qui avait assisté à la discussion entre Kohl, Chirac et Yeltsin, ben je ne sais pas si Yeltsin était bourré, si vous voulez, mais il a pris pour quelque chose d'acquis le fait qu'on n'étendrait pas l'OTAN. Bon. Il n'y a jamais eu de formalisation écrite, puisque la parole était censée valoir engagement. Mais en même temps, on se rendait bien compte que c'était un engagement qui était extrêmement difficile à tenir, et de fait, vous avez vu, il y a eu cette extension de l'OTAN qui arrive, qui fait qu'aujourd'hui, l'OTAN est frontalier de la Russie. Alors, pour ce qui concerne la crise ukrainienne, moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, parce que je suis plutôt historien de formation, alors, on a un problème avec... tu m'as dit qu'il faut faire... La petite flèche vers le bas. La petite flèche vers le bas. Ici. Celle-là, voilà, là. Celle-là. Oh, formidable. Alors, le problème, c'est que j'ai trouvé quelque chose, mais qui, malheureusement, est un résumé historique terriblement rapide de l'histoire de l'Ukraine, parce que dans ces cartes qui défilent toutes seules, hein, j'y suis pour rien, vous avez la frontière actuelle de l'Ukraine, mais vous avez résumé environ 2 siècles d'histoire ukrainienne, c'est pour vous montrer combien ce pays a été, parce qu'il est zone tampon entre empires, a été un pays dont les frontières n'ont cessé d'être modifiées. On a travaillé comme des fous pour essayer d'arrêter ces slides, mais on ne peut pas arrêter l'histoire, si vous voyez, cette histoire s'accélère, et donc vous voyez en fait, regardez, vous avez... l'état actuel, mais quand vous remontez, que ce soit avant la guerre de 14 ou que ce soit en 45, vous apercevez qu'à chaque fois, si vous voulez, les découpages territoriaux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, vous dites, on se bat pour quoi? On se bat, comme l'a dit Christophe, on se bat pour la défense du droit des minorités à disposer d'eux-mêmes, ou on se bat pour le respect de l'entité territoriale d'un État. Bon. Moi, je rappelle que, parce que j'aime beaucoup, si vous voulez, toutes ces décisions dans lesquelles on oppose le droit et la justice à des méchants, que nous, on a bombardé le Kosovo, qui était un morceau de la Serbie, si vous voulez, on a fait 30 jours de bombardement, et on n'a jamais pensé à poser la question aux Russes. La crise s'installe au Pérou. Le mouvement de soutien au président destitué s'étend avec des appels à une grève illimitée. 7 personnes ont été tuées dans la répression, dont 3 adolescents. Ma mère est meurtrie parce que mon frère a été tué comme à l'abattoir. C'était un étudiant, un athlète. Ma mère et ma famille réclament justice pour mon frère. Les manifestants réclament la libération de l'ex-président Pedro Castillo, arrêté pour rébellion et remplacé par la vice-présidente il y a une semaine. Dina Boluarte a annoncé vouloir des élections en avril prochain pour calmer la colère des Péruviens, sans succès. Le Parlement a voté une motion de vacance de poste qui est illégale. Cette résolution de vacance n'existe pas, elle n'a aucun effet légal. Plusieurs pays latino-américains assurent l'ancien président de leur soutien. Au Mexique, en Argentine, en Colombie et en Bolivie, les gouvernements de gauche l'estiment victime d'un mouvement antidémocratique. Il ne désarme pas. Les supporters du président sortant, Jair Bolsonaro, n'acceptent toujours pas la victoire de Lula lors de la dernière élection. L'arrestation d'un responsable indigène accusé d'agissement antidémocratique a mis le feu aux poudres. Cet homme a organisé des manifestations pour contester le résultat de l'élection présidentielle. En guise de protestation, les partisans de Bolsonaro ont tenté d'envahir le quartier général de la police. Cette arrestation a été ordonnée par le juge Alexandre de Moraes, qui quelques heures plus tôt présidait la cérémonie de certification de la victoire de Lula. La stabilité démocratique, qui est le respect de l'état de droit, signifie obéir fidèlement à la Constitution, aux institutions pleinement fonctionnelles, et signifie l'entière responsabilité de ceux qui ont tenté de renverser l'ordre public en créant un régime d'exception.
À l'extérieur, une poignée de supporters de Jair Bolsonaro assure qu'ils n'abandonneront pas et réclament le maintien de leur champion au pouvoir. Pas de quoi perturber le président élu, ému aux larmes de retrouver le pouvoir après être passé par la case prison. Je veux m'excuser auprès de vous pour mon émotion. Car être ici maintenant, après tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est la confirmation que Dieu existe et que le peuple brésilien est plus grand que toute personne qui tente de gouverner arbitrairement ce pays. La passation de pouvoir doit se tenir le 1er janvier, même si Jair Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. Ils viennent de dizaines de pays d'Afrique noire et ont tenté la traversée du Sahara pour rejoindre l'Algérie puis l'Europe. Arrêtés en Algérie et ensuite expulsés au Niger, certains sont coincés ici depuis plus de 2 mois. Si on ne rentre pas en Europe, on va rentrer chez nous. Le pays le plus pauvre en Afrique, on est ici. En Nigeria, il n'y a rien ici. Nous, on souffre ici. Des centaines de ces personnes arrivent blessés au Niger. Ils accusent les policiers algériens de violence. On est en train de courir comme ça. C'est eux-mêmes qui ont tapé nous. On a tombé. Donc c'est eux qui ont fait ça. Nous. Vous comprenez? On a eu les fractures sur mon pied. Fractures avec mon ami là aussi. Vous voyez? La plupart sont enregistrés dans un centre de transit prévu pour héberger 1000 personnes. Mais c'est au moins 2000 de plus qui demandent l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations à Assamaka. À la source du problème, le ralentissement des rapatriements dû à la crise du Covid-19, mais aussi aux expulsions régulières des autorités algériennes dans des conditions très dures. On nous a jetés à 4 heures du matin en plein désert, sans nourriture, sans eau. Je n'avais plus aucune force. Ils tournaient autour de nous avec leurs véhicules. Ils tiraient des coups de feu pour nous faire fuir. Après ce tournage, nous avons contacté l'ambassade algérienne au Niger qui n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Quelques kilomètres plus loin, en se rapprochant de la frontière, dunes. Un lieu où, à une époque, seuls les transporteurs se ravitaillaient. Les quelques commerçants présents sur le site aujourd'hui sont régulièrement témoins des arrivées en catastrophe de groupes de personnes expulsées d'Algérie. Ils ont souffert. Certains n'ont pas de chaussures, certains arrivent sans habits. Quand ils arrivent ici, ils ont déjà beaucoup souffert. Le nombre de personnes qui arrivent ici a augmenté. Avant, on avait 5 tentes. Aujourd'hui, vous voyez de vous-même, chaque année, le nombre de personnes augmente. Dans le nord du pays, les centres de transit de l'Organisation internationale pour les migrations sont tous débordés. L'une des solutions pour les désengorger est le retour volontaire dans le pays d'origine. Mais une large partie des procédures stagne. On se retrouve avec une surpopulation des bénéficiaires. On pourrait dire qu'on a généralement une manque de ressources, à la fois financières et aussi du personnel, pour assister ce nombre de personnes. Dans le centre de transit d'Assamaka, surpeuplé depuis des mois, certains organismes humanitaires craignent la propagation de maladies. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver, une épidémie, et une épidémie, certaines maladies, quand ça arrive, même si c'est une seule personne, c'est préoccupant parce qu'ils sont très proches, ils sont très nombreux, qui vivent ensemble. Donc c'est là notre préoccupation. Depuis le début de l'année 2022, le nombre de réfugiés sur le sol nigérien a augmenté de près de 20%. Au 30 octobre, cela représentait près de 400 000 personnes. Les crises sécuritaires au Mali, au Burkina Faso et au Nigeria continuent, elles, de pousser des milliers d'individus à fuir vers le Niger. Européen, à la Commission européenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, 4 interpellations, 16 perquisitions,
vendredi dernier à Bruxelles, dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption menée par le parquet fédéral. Un ancien eurodéputé et le patron de la Confédération internationale des syndicats ont été privés de liberté, soupçonnés d'avoir reçu les faveurs du Qatar. Alors on savait qu'il y avait les lobbies, que le lobbying, évidemment, quand il y a des marchés tellement importants, et nous ne parlons évidemment pas des vaccins, mais tout le reste. Que se passe-t-il ? Alors, on a avec nous, et on est toujours heureux de l'avoir, Virginie Geron, vous êtes eurodéputée. Bonjour. Bonjour, et merci. Alors dites-moi, Virginie Geron, on voudrait un peu comprendre, parce que on voit que très 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 souvent, le Parlement, enfin, que ce soit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, donne des leçons de morale à la Hongrie, à ceci, à cela, faut pas faire ci, faut pas faire cela, la morale, il faut défendre la liberté, les droits, l'humain. Alors, qu'est-ce que cette histoire de corruption, quand même, qui est assez importante. Elle est même très très spectaculaire. Effectivement, on est tous sous le choc, hein. Même si, ben moi, à mon niveau, avec, et vous l'avez souligné, avec l'achat des contrats qui sont très importants, et à ce jour, on n'a toujours pas de réponse de la part de la Commission. Eh bien, effectivement, c'est un exemple de plus qui démontre qu'il y a un problème ici, à Bruxelles, à Strasbourg. Et d'ailleurs, je sors là, on est en pleine plénière, on sort du vote où on vient de destituer de la vice-présidence Madame Kaili. Mais oui. En fait, depuis le début, hein, moi quand j'ai commencé ce mandat, j'ai auditionné Madame Sylvie Goulard. Madame Sylvie Goulard qui avait été présentée par Monsieur Macron pour être commissaire au marché intérieur. Et elle n'a pas réussi à passer le cap parce qu'il y avait des problèmes d'influence de think tank privé. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a un problème, il y a des lobbies, il y a de l'influence. Et ce qui est regrettable et ce qui est cynique aujourd'hui, c'est que, et vous l'avez peut-être pas mentionné, ou alors je n'ai pas entendu, dis-moi. Mais c'est quand même la gauche, c'est cette gauche moralisatrice qui est mise en avant. C'est celle-ci qui passe son temps à sanctionner, comme vous l'avez dit, la Hongrie, la Pologne, pour des problèmes de corruption, qui sont sans arrêt en train de faire des résolutions pour attaquer tous ces pays parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, ils rentrent pas dans les clous. Et puis aujourd'hui, ce scandale, vous l'avez souligné, plus d'un million d'euros qu'ils ont trouvé, donc on ne sait pas les autres. Demi-million, oui. Oui. Un demi-million, oui. Certains parlent jusqu'à un million d'euros trouvés dans les appartements de Madame Kaili et aussi saisis auprès du père de Madame Kaili. Mais en Grèce aussi, apparemment, ils sont en train de constater qu'il y a des sociétés comme immobilières qui ont été mises en place et puis d'autres sociétés transparentes. Et puis ce qui est marrant, c'est que, comme je l'ai dit, cette gauche moralisatrice qui est aujourd'hui atteinte et qui est soupçonnée de corruption, ce qui est important dans le dossier, c'est que deux ONG, et ce qui est marrant, ce sont le nom de ces ONG qui sont impliqués, parce qu'un des députés, M. Panzeri, est dirigeant de ces ONG. Ça s'appelle Fight Impunity, hein, combattre l'impunité, oui, c'est bien. Non, mais c'est drôle. Hein. Cela dit, Virginie Geron, juste un mot. Je crois que la gauche, d'accord, mais la droite aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu à droite de corrompus ou de corrupteurs, vous le savez. Bien sûr, mais dans tous les partis. Dans là, tous les partis, oui. Ce qui est étonnant et ce qui est scandaleux, en plus du fait que ça soit le Qatar qui soit impliqué, c'est cette gauche moralisatrice, ces socialistes qui, je vous assure, ils passent leur temps à nous donner des leçons de morale. Oui. Ils défendent le wokisme, ils défendent la cancel culture, ils défendent les valeurs sociales, ils défendent la non-ingérence des pays étrangers. Je rappelle qu'il y a une commission ingérence qui a été mise en place, une commission spéciale, et le président de cette commission, c'est Raphaël Glucksmann, qui siège dans ce groupe des socialistes. Mais dites-moi, comment il se fait, comment on arrive, vous voyez, le journal belge L'Écho, en tout cas le rapporte, enfin, ça m'intéresse d'avoir, puisque c'est une de vos collègues, il dit plusieurs sacs remplis de billets ont été découverts au domicile bruxellois d'Eva Kaili. Donc, moi j'aimerais comprendre comment ces gens-là laissent des sacs remplis de billets à leur domicile quand même, en dehors de tout. Mais je pense qu'ils se sentent au-dessus de tout, et je pense aussi, et c'est à mon avis la face émergée de l'iceberg, que ça dure depuis des années.
Parce qu'effectivement, ouais. c'est tellement énorme qu'on se demande pourquoi ils ont fait autant d'erreurs. Oui. Et ce qui est intéressant aussi à suivre, ouais. c'est que cette idée, parce qu'en fait, pourquoi c'est sorti maintenant, c'est parce qu'il y a deux résolutions qui ont été mises en avant par le Parlement. Le mois dernier, c'était une résolution pour constater qu'au Qatar, il y avait un problème avec les travailleurs, donc c'était une résolution commune. Et c'est vrai que déjà, ces positions de vote n'étaient pas normales. Et cette semaine, nous aurions dû voter, et ça c'est très important, oui. c'était donc pas de visa pour le Qatar et le Koweït qui seraient venus en Europe. Et ça c'est une idée, c'est une impulsion du commissaire Margaritis Skinas, qui est aussi grec, et qui est commissaire à la promotion de mode de vie européen, hein, je vous la fais courte en fait, c'est oui. Il est pro-immigrationniste. Et hier, et c'est très important, c'est qu'il y a une conférence de presse à Bruxelles où Madame van der Leyen a été interrogée par différents journalistes. Et sur ce sujet, on lui a posé la question, est-ce qu'elle est au courant? Monsieur Skinas a été interrogé oui. sur ce sujet, puisqu'il y a, c'est quand même lui qui est donc... Donc il recommandait aucun visa pour les oui. Koweïtiens et les Qataris, c'est ça? Voilà, c'était ça qui était prévu. D'accord. Voilà, c'est ça qui D'accord. était prévu, c'est une idée qui est venue de ce commissaire. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Madame von der Leyen? Oui, qu'est-ce qu'elle a Alors, répondu? Alors attendez, oui, madame, j'en prie. Et ce commissaire a fait l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, il a été pris plusieurs fois au Qatar durant cette période. Ouais. Et effectivement, Madame van der Leyen, je voulais vous garder pour la fin, n'a pas voulu répondre. Ah, d'accord. Elle est restée silencieuse et d'ailleurs ça a fait beaucoup de remous au sein de cette conférence puisque ouais. certains ont attaqué l'assistant de celui qui organise cette conférence de presse parce que elle a estimé que les questions n'étaient pas bonnes et qu'il fallait ah oui. il fallait au préalable voir à reposer les questions. Donc c'est un... Les révélations du monde de ce soir confirment ce que je n'ai cessé de dénoncer depuis des mois. McKinsey, le cabinet qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron, McKinsey, le cabinet qui conseille Pfizer, était au cœur du ministère de la Santé pendant la crise du Covid, de la Covid. C'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, le journal Le Monde. 50 millions d'euros ont été dépensés en 2020 et 2021, je lis, pour des prestations soi-disant informatiques, pour le compte de la Direction Générale de la Santé, auxquelles s'ajoutent 13 millions d'euros pour des prestations de conseil. Et sur cet ensemble, un certain nombre de millions ont été vers McKinsey, sans appel d'offres. Mais le problème de fond va plus loin, comme l'a dit la commission d'enquête du Sénat, et comme le dit aujourd'hui le journal Le Monde, c'est que des consultants, pas seulement de McKinsey, prenaient la place des fonctionnaires. Et donc, vous aviez des gens qui avaient conseillé Pfizer, qui mettaient en place la distribution des produits Pfizer. C'est une atteinte sans précédent à l'organisation de l'État impartial. C'est extrêmement grave. Ajoutez à cela les chiffres récents que vous pouvez consulter de la NSM, Agence nationale de sécurité des médicaments, vous regardez sur les effets indésirables des injections qui ne sont pas des vaccins. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Delfrécy, le fameux président du conseil scientifique, qui très vite a dit « ce ne sont pas des vaccins, ce sont des injections, une thérapie génique ». Eh bien, regardez les chiffres des effets secondaires graves, 25% d'effets secondaires graves, des chiffres largement sous-estimés, puisqu'il n'y a pas les remontées de terrain avec une explosion des myocardiques et des péricardies. Et puis vous avez, c'est pas moi, Elon Musk, qui est le nouveau propriétaire de Twitter, qui révèle le scandale de la censure de ceux qui s'opposent et qui s'opposaient à la stratégie des confinements, à la stratégie de l'omerta sur les médicaments qui soignent, comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, à la stratégie de la vente des injections pour les jeunes qui ne meurent pas du Covid et à la stratégie de la dissimulation des effets secondaires graves des injections. Eh bien, Elon Musk s'attaque enfin à Monsieur Anthony Fauci, qui est le grand maître d'œuvre de la stratégie Covid et qui avait des connexions très fortes avec Monsieur Véran et Monsieur Macron.
Pour conclure mon propos, je veux vous inviter à lire un livre extraordinaire d'un homme courageux, Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est chez lui que j'ai vu cette magnifique phrase de Bouddha que je ne connaissais pas, je ne me suis pas converti, rassurez-vous. Mais on ne peut pas éternellement cacher le soleil, la lune et la vérité. Eh bien, ce livre refait le point de manière très scientifique aux éditions Nouvelle Terre, préfacée par Martine Vonner, fait le point très précis sur ces deux dernières années et montre que ceux qui respectent la science, ce sont ceux qu'on a traités de complotistes. Et qu'aujourd'hui, la vérité nous donne raison. Malheureusement, il y a toujours des gens qui meurent du Covid parce qu'ils ne sont pas soignés. Malheureusement, il y a toujours des jeunes à qui on fait des injections qui auront des dégâts considérables. Et malheureusement, le gouvernement français refuse de réintégrer les soignants non vaccinés. Tout compte fait, Eric Revel, bonjour Eric. Good morning Mr. Roger, je parle anglais aussi. Yes, mais c'est a surprise. Surprise. Yes, hein, donc, oui. Il devait y avoir la présentation de la réforme des retraites jeudi prochain. Finalement, c'est repoussé à la mi-janvier, le 10. Pourquoi ce revirement? Alors, j'y vois plusieurs raisons. Bon, alors j'ai vécu son déplacement au Qatar pour la demi-finale à la Coupe du Monde de football, le match France-Maroc, une éventuelle victoire de la France, évidemment, pourrait être gâchée par cette réforme qui s'annonce dure et qui devait être annoncé le lendemain. Alors j'y vois surtout une certaine fébrilité. Une nouvelle fois, les Français, vous le savez, majoritairement s'opposent à cette réforme des retraites. Mais c'est surtout la fragilité sociale du pays qui doit inquiéter l'Élysée. La réforme de l'assurance chômage est passée par là. Celle, sans doute, du contrat personnel de formation dont je parlais hier, tout ça tend un peu plus le contexte social, alors que les questions de pouvoir d'achat et des difficultés grandissantes des artisans, vous en avez parlé ce matin, des PME, rajoutent évidemment à ce contexte très morose et donc très inflammable. Oui, c'est ça. Alors l'Élysée avance l'argument des nouveaux leaders chez certains partis politiques, LFI, Europe Écologie Les Verts ou encore les Républicains, du temps donc pour donner aux autres de se plonger dans le dossier des réformes des retraites. Oui, c'est l'argument employé en haut lieu pour expliquer le report de la présentation de cette réforme des retraites au 10 janvier. Bon, franchement, je crains que la nomination de Manuel Bompard chez LFI ou de Marie Tondelier chez les Verts ne soit pas de nature à apporter évidemment un soutien à cette réforme. Mmh. Alors en revanche, du côté des LR, le nouveau président Éric Ciotti a ironisé, c'est vrai, sur ce revirement de date, mais c'est sans aucun doute dans le camp des Républicains à l'Assemblée nationale que le gouvernement pourrait trouver un appui. Les Républicains, en effet, se sont toujours montrés favorables à un report de l'âge de départ à la retraite à 63, voire 64 ans, mais si LR devait voter cette réforme, il y aurait évidemment des conditions, par exemple sur l'employabilité des seniors, sur la prise en compte de la pénibilité du travail ou encore sur le calcul des carrières longues. Alors il faudra aussi compter sur la petite musique du Modem, qui fait partie de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, Patrick, mais son leader, François Bayrou, a égratigné Emmanuel Macron dans une interview au Journal du Dimanche il y a deux jours. Il a estimé, Bayrou, que d'autres pistes devaient être mises sur la table, comme par exemple l'augmentation des cotisations patronales qui, d'après Bayrou, pourrait boucher les trous du déficit du régime de retraite. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas ficelé. Mais alors, tout de même, l'exécutif reste droit dans ses bottes sur le calendrier, en dehors de ce petit report? Ah, il n'y a pas de doute. 15 décembre ou 10 janvier, le gouvernement veut aller très vite sur la réforme des retraites, avec un départ graduel peut-être jusqu'à 65 ans. Pour revenir à l'équilibre d'ici 2031, c'est en tout cas l'équation politique qu'avance le gouvernement. Avec ce report, la mère des réformes d'Emmanuel Macron, qu'il a rappelé dans sa campagne présidentielle, avec ce report au 10 janvier, le calendrier n'est pas modifié. Je vous le rappelle, projet de loi en janvier, vote au printemps, entrée en vigueur à l'été. Alors l'urgence est justifiée par l'exécutif, par un déficit du régime général des retraites qui dépasserait, d'après les calculs du gouvernement, 12 milliards d'euros en 2027. Alors tout le monde, loin s'en faut, n'est pas d'accord avec ces chiffres, notamment les syndicats qui, eux, sont totalement unis pour manifester. Ils n'ont pas reporté leur date au mois de janvier.